Bon, ok, c'est pas la meilleure manière de commencer une vidéo. Mais au moins, vous cernez le personnage. Alexis, 22 ans, mon meilleur ami, mais surtout, et je dis bien surtout, un mec qui dort tout le temps. Il était temps que je lui apprenne comment profiter de la vie. Et pour ça, quoi de mieux que lui faire vivre le même week-end que moi, dans les moindres détails. Lui ai donc écrit un mode d'emploi, et c'est à 9h30, un samedi matin, qu'on commence cette vidéo. Alex ? Oui ? J'ai oublié mon ordi. On va bien ? Mais moi je voulais faire une entrée stylée genre. Vas-y, tu peux faire si tu veux. Oh waouh, un artiste. 3, 2, 1. Weekend comme Soso. Merde, c'est du mal. Tomorrow. Salut tout le monde, ça c'est ma voix du matin. Il est 9h30. C'est l'heure à laquelle je me lève le week-end parce que... On m'a proposé quoi déjà, je me rappelle plus. Skincare, je lavais le visage à la douche. Qu'est-ce qui me reste? Ma crème hydratante. C'est pas possible de commencer la journée avec cette tête. On va y aller au piano piano ce matin. Est-ce que c'est dur? J'ai vraiment peur qu'on voit mes parties intimes. Je vais mettre un slip. Ça sera peut-être plus prudent. Ça fait bizarre de parler tout seul dans sa salle de bain. Moi j'ai pas l'habitude. Hein. Boulé comme je suis, je n'avais plus de batterie ce matin quand je me suis réveillé. Ça veut dire que moi je me suis réveillé à 9h30. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à me réveiller ce matin, c'est un délire. En même temps, je ne fais rien pour parce que je reste sur mon canapé à regarder YouTube, allongé sous ma couverture et je n'essaye pas de vivre. Donc comment tu veux qu'on dirait ? J'ai l'impression que je suis bourré, les gars. Mais il est 11h du mat. Il faut que je pimpe. Parce que tu vois les cernes de la semaine. No way. We don't want this cern under my eyes. On va mettre de la musique pour aller à la douche. Et vous savez ce qu'on va mettre? Russ. J'ai dessert mon pote. Elle m'a dit ouais, ouais, prends du glaçon. Ah, il faut que je mette de l'eau froide sur mon visage. Putain. Ah, ah. C'est de la merde. Ça fait pas partir les cernes instantanément. Ah, j'ai l'impression que ça me brûle l'œil tellement que c'est froid. Ah mais si, ça fait un peu partir, non? Ah non, pas du tout. Je suis bien en train de rêver, n'est-ce pas? Partez les cernes. Vous pouvez partir, c'est bon, je n'ai plus de travail cette semaine, je me couche plus à 3h du matin. Vous allez m'aider à choisir ma tenue. Ça, c'est la première tenue. Petite tenue, petit sweat kaki, très sympatoche, avec petit pantalon de costume. Hop, sympa, hop. Un café. Un café. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah non. Tu vas arrêter de tomber. Qu'est-ce qu'on en pense de celle-là? Avec petite vente. Je sais pas. Je cherche. J'essaye. Et je vous dis. Là. Là. T'es prêt pour un max de rigolade? Mais bien sûr! Jamais levé aussi tôt un samedi. Il est midi 43 et je suis encore en train de dormir. T'as vu comme c'est bien? On a fait plein de choses déjà. C'est incroyable. J'étais en train de ranger ma chambre. Oh, parce que Dieu sait que ma chambre est un mess. Ah, mais c'est tout le temps un mess. J'ai l'impression que je la range, elle se dérange toute seule. C'est pas de ma faute. J'estime que c'est pas moi. C'est pas de ta faute. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça te dérange si je finis de ranger ma chambre et après. Non, vas-y, vas-y. Je vais fermer la porte parce qu'Alex au téléphone. C'est le bordel, mais faites pas gaffe parce que je voulais vous expliquer quelque chose. En gros, aujourd'hui, donc comme vous le savez, c'est la journée d'Alex en fonction de ma journée. Mais en fait, ma journée, enfin mon week-end en général, c'est voir Alex. Le matin, je fais rien et l'après-midi, je vois Alex et le soir, on est tous les deux ou il y a d'autres gens qui se rajoutent. Donc c'est pour ça qu'à partir de cet après-midi, enfin à partir de ce midi, souvent on fait ça, on mange ensemble le midi. Donc forcément, s'il fait comme moi tout le week-end, bah forcément il vient me voir. Voilà pourquoi je voulais éclairer ça pour le storyboard, pour que vous compreniez. Et ce qui est très hard, c'est le piquant, voilà, le piquant.
danse, j'adore. Bref, y'a pas... You're ready to go? Ok, let's go. You ever wonder why? On vient d'arriver chez Cultura et je vous jure, le mec de la sécurité, il a refait notre journée. Il était si drôle, mais si drôle. Mais il en faut plus, t'es comme ça, dites-leur genre. Merci d'être venus ce soir si nombreux dans ce monde de désolation. Ça fait chaud au cœur et voici d'ailleurs une chanson pour nous remonter le moral. Bah non, moi ça va, merci. Je cherche des strass. Ah, voilà. Vous vous rappelez de ça? Je vais relier les points avec les numéros. Et regardez, lui il est tout petit. Niveau mais vous expert. Pouvez acheter le grand. En vrai, tu l'as fait tomber. Mais tu peux acheter le grand. Il y a des... Oh là là, c'est la mode, carte de la France. Mode adulte. Oh, c'est incroyable. Niveau 5000 points. Oh, il a l'air trop bien. Oh, le corps humain. Mes parents ils m'ont jamais acheté. Et moi je me rappelle le premier c'était genre le cerveau je crois. Et je le voulais trop. Et j'ai jamais eu. Cette lady with the long waves in the large hair. She liked the strings on my guitar neck in my blonde hair. I write about her thighs in my latest lines. Du coup j'ai acheté le livre de Will Smith. C'est un livre qui raconte... Putain oh. Un livre qui raconte sa vie et j'adore Will Smith, c'est mon acteur préféré. Et c'est un livre aussi beaucoup sur le développement personnel. Parce que si vous connaissez un peu Will Smith, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça, qui a beaucoup de rêves en développement personnel et qui est très dans manifestation et tout. Donc voilà, très contente des achats. Toi tu voulais un miroir non? Bah je sais même pas si je prends un miroir ou des cadres ou un vase ou je... Ok, donc on va vraiment y passer la journée. Bah ouais, mais je fais comment là maintenant? Punaise! On le connaît par cœur et on revient chaque semaine. Voilà, on prend. On achète! Alors, ces petits sacs, je sais pas pourquoi j'ai toujours rêvé. Oui, mais à quoi ça sert finalement? Pas grand chose. Petite entrée très sympa. Ouh là là, t'as même une petite salle de bain! Tu veux le shampoing? Ah, t'es habillé! Punaise, tu vas vite! T'es hyper rapide! Y'a des quoi? C'est un délire. Ah ouais? Moi je vais chercher le vendeur. Ah ouais, putain, le vendeur. Je crois qu'il est au rayon. La dernière fois il était au rayon. Non, il est au rayon literie. Il était là, mais la dernière fois je l'ai vu au rayon enfant. Au rayon enfant? Ouais. La cafétéria. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de prendre un petit café avec un petit gâteau. Vas-y, viens, on prend un plateau. Où est la nourriture? La faim, putain. Ça va être chaud, je pense. Ça brûle. T'apprends, on fait quoi? On va aux plantes? Les lumières, les plantes. Oh, les lumières. Waouh. C'est le meilleur rayon. Le rayon des lumières. Toutes les lumières qu'il me faudrait chez moi pour avoir une bonne luminosité, pour être une youtubeuse. Ça, là, c'est la plus belle. Waouh. J'ai trop d'aigle. Ouais, ça va, 59. Mais je vais leur dire, hein. Avant, il était à 50. Il était plus en stock. C'est parce que tu vois, il a augmenté. Mais les étiquettes, elles tiennent plus comme. Oh, mais c'est donc celui-là que je cherchais partout. Qu'est-ce Allez, que on y va. Waouh. Regardez, on a même un petit coucher de soleil. Vous allez pas voir, merde. Là, il n'y a pas de on achète pas. Si tu veux laquelle. Tu veux pas une plante que t'as pas besoin de t'occuper, genre un cactus? Elle est où la caisse? Et non, on est là, non? Non, là, on est là. Non, pas du tout. Punaise, on est bête. Mais non, si on est vers la sortie, regarde, on est là-bas. Je nous vois. Ça y est. Et rebonjour à tous. Rebonsoir. Comment allez-vous? Ne demandez pas pourquoi j'ai ça dans mon appartement. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons mangé une pizza. Regardez, hop, petite pizza. De la salade, de la soupe. Alexis est actuellement affalé sur le canapé, mais... Come on, baby! Est-ce qu'il vous avait manqué? Yo. Parce que nous, oui. Vous voulez aller dans une école de design et faire de l'espace? Ne le faites pas, sinon vous finirez comme lui. Personne n'a envie de faire à faire des nuits blanches. À faire des nuits blanches et travailler après le bar. 10 heures de sommeil cette semaine. Pensez-y, pensez-y. Et pas à cause de l'alcool, à cause du travail. Pensez-y les gars. Mais là, regarde-le là. Alexis Brunet, j'ai soif. Regardez-moi cette loque. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te dépêcher? Allez, on y va, la merde. Attends. Ouais, on y va, merde. Quoi? C'est ce qu'on a pas? Qu'est-ce qu'on a besoin pour le fur et à mesure? Oh, la carte. Mais elle est où la carte? Chez moi. C'est pas comme si t'habitais à 50 mètres du fur et à mesure. Comme ça, on prend toutes tes affaires maintenant. Oui, j'avoue.
Putain, ça veut dire qu'il faut que je prenne une plante. Hola. Other chaos, j'ai raté le réveil. Il faut se réveiller, mais c'est hyper dur. Transition. En fait, il faudrait que tu coupes soleil et tu remets au moment si j'ai le pull. Voilà, tu te démerdes. Yo, bitch. Solène, je te préviens, tu mets ça sur YouTube, je te défonce ta mère parce que d'un, j'ai les cheveux gras. De deux, j'ai 2 heures de sommeil. De trois, j'ai le nez qui pèle. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Solène a dit, vous faites pas des gros plans longs inutiles. Non, Solène. Tu as combien d'heures de retard? À peu près 1 heure de retard. Elle va me détester. Genre tous les plans tu vas câbler genre. Je sais genre elle passait genre 20 minutes. Elle était posée sur la... Ça m'étonne même pas, je t'attendais. L'étagère, mais je m'en suis pas. I thought that I was dreaming when you said you love me. I started watching you, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. Alors, on est en train de cuisiner, enfin on est en train. Moi j'attends de manger parce qu'il est genre 13h43 et j'ai faim. On va vous poser où? C'est le dimanche. On parlait tout à l'heure, les Instagrammeurs, tu les vois le dimanche, ils se lèvent, ils sont là, ils font leur petit café, leur petit glaçon, genre dans leur café ils mettent du coulis de caramel. Qui a du coulis de caramel chez eux? Et nous on se réveille le matin, mes frères on ressemble à ça, tu vois, le dimanche. Mais il n'y a aucune race, c'est ça la réalité. Je vais finir en caleçon sur YouTube. C'est drama queen. Alors, en vrai, ce qu'on a fait? Alors, moi j'ai fait les hamburgers. Rien du tout. Hein. Alors, ça, c'est moi qui les ai fait ce matin. Je me suis levé à 5h du mat. Les petits œufs. Et ça, je sais pas ce que c'est, de la viande, salade et des burgers. T'as perdu un strass sur ta caméra. Oh non. No matter what I did, no way. Ok, c'est peut-être un peu brutal comme fin de vidéo parce que finalement vous n'avez pas vu la fin du dimanche, mais on n'a pas fait grand chose. Et déjà Alexis a commencé la fin, non, le début de journée du dimanche en étant en retard sur le planning. Il a pas trop respecté le truc. Donc je reviens vers vous pour faire la fin de la vidéo, mais je reviens pas seule bien sûr, parce que il faut quand même qu'on fasse un débrief avec la seule personne qui a fait le même week-end que moi, enfin le même samedi, parce que finalement le dimanche il a un peu fait ce qu'il voulait, tu vois. Ok, c'est bon, t'as le droit de parler maintenant. Ça me stresse. Bonjour, regardez, j'ai déballé mon super main. Oh waouh. Bref, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as kiffé genre de faire un week-end comme moi, genre te lever tôt et tout? Bah bien sûr, c'était trop bien. Ça m'a permis d'avoir une grande journée remplie. C'est vrai finalement. Comparé à d'habitude, non mais c'est vrai. Après ouais, je pensais qu'on allait faire beaucoup plus de choses. Hein. Bon ça va. Après on a traîné, enfin j'ai traîné. Même le samedi j'ai traîné, non? Non, le samedi t'as été à l'heure et tout. C'est juste le dimanche, genre t'as un peu dit... C'est bon, elle me saoule, tu vois. Du coup... Je fais ma vie. Vraiment. Genre, tu t'es dit, vas-y, je fais ma vie. Du coup, t'as fait ta life. Dis-moi ce que t'as kiffé et que du coup, tu changerais dans tes prochains week-ends, genre. Alors, se lever tôt. Ok. Je suis insupportable. Bouger en voiture, c'est cool, ça change. Ça change de notre week-end. C'était bien. Ouais, genre, bouger en général, quoi. De quoi? Bouger en général, quoi. Ouais, bouger en général. Genre sortir du centre-ville, parce qu'on y est tout le temps. Ouais, carrément. C'est nul. Marcher, tout simplement, faire des balades. Ouais. Profiter de la journée. Et aller au bar. Okay. Mais ça change pas de nos habitudes. Et ça change pas du week-end, compagnie. Et puis voilà, quoi. Des bisous, et puis à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Peace. Mon P, tu le gars pour genre l'intro, genre jamais en mode vision. You ever wonder why? You ever wonder why?
she like the strings on my guitar, Nick, in my blind ear.